l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 21 février, il est 22h38. Oui, comme vous pouvez le voir sur la tête, je fais une couleur. Oui, parce que j'ai eu Jenny au téléphone et elle a refait sa couleur et ça m'a dit qu'il fallait que je refasse la mienne, c'était plus possible. J'en avais marre de mon crâne, de mon crâne quoi. Donc voilà, j'ai refait ma couleur avec le reste qui me restait, parce que j'avais pensé à diviser la couleur en deux. Bien sûr, on ne fait pas le mélange directement dans le pot. La première fois qu'on le fait, on sépare, on met dans un bol ou dans un truc, un récipient spécifique pour ça. Donc je l'ai fait au pinceau, c'est pour ça que c'est un peu mieux posé que quand je le posais avec toi. Bon là par contre j'ai une mèche qui va pas prendre, ça c'est sûr. Hein, et là j'ai une tache. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée 15h. Attendez, vous n'êtes pas droit. Je me suis levée à 15h, me couchée hier à 22h. Voilà, j'étais fatiguée, crevée, carpette morte après encore une nuit blanche. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Hier, on était lundi. J'ai fait ma nuit blanche. C'était quand la nouvelle lune? Ma nouvelle lune, c'était dimanche. Non, c'était hier. Donc oui, de dimanche à lundi, j'ai pas dormi. Voilà, donc c'est pour ça qu'hier, j'étais carpette. Je suis fatiguée de pas dormir, donc voilà. Donc là, je ne suis pas toute nue, hein. J'ai un haut de maillot de bain, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à mon père de m'emmener. Excusez-moi, c'est Melba qui gratte dans sa cage. J'ai demandé à mon père de m'emmener au Leclerc pour que je puisse prendre des croquettes pour les chiens, parce que j'en avais plus, et aussi des légumes pour les cochons d'Inde, parce que c'était la dèche, voilà. Donc bien sûr, je ferai un virement pour le mois prochain pour ma mère. Voilà, puis voilà, donc j'ai pris 4 kilos de croquettes pour les chiens, 2 paquets de 2 kilos, la marque Leclerc, mais c'est sans céréales ajoutées, voilà, donc c'est ce que je prends l'été quand je n'ai pas les moyens de faire des commandes ou plus, comme actuellement. Les cochons d'Inde, je leur ai repris des carottes, des endives, de la salade romaine, voilà, des radis, moi bon, les radis à base c'est pour moi, mais ils en auront aussi. Et puis voilà, puis j'ai repris pour moi, je me suis repris un peu de café, je me suis repris 3 paquets de café moulu, hein, du café filtre. Et j'ai repris, je me suis pris une petite ampli flacon de Starbucks. Là-bas, je voulais un bubble tea, mais il n'y avait plus à la myrtille, il y avait pomme, pêche ou je sais pas quoi. Je fais, ah non, laisse tomber, moi je veux juste myrtille. Il n'y avait pas, tant pis. Et donc voilà, donc juste pris ça, puis voilà. Puis après, bah, je suis rentrée, j'ai rangé mes courses. J'ai donc changé mon panier de courses pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, j'avais prévu de prendre 2 paquets de croquettes de 3 kilos Ultima sans céréales. Mais voilà, en livraison. Et c'était 14, presque 15 € le paquet. Là, pour 4 kilos, j'ai payé 12 €. Bon, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Hein. J'ai payé 12 € pour 2 paquets, pour 2 4 kilos. Donc, je vais faire quoi? Comme j'aurai mes courses le 7, comme je vais faire ma livraison pour le 7, le 7 au matin, Mars, j'emmène Cannelle chez le véto pour donc son opération, son détartrage, l'opération de ses dents. Et ben, j'ai demandé à mon père après de me déposer, quoi, de m'emmener au Leclerc et je prendrai au Leclerc pour les chiens. Je reprendrai 2 paquets de croquettes parce que Melba va avoir les mêmes que les deux autres. Parce que bah elle a bientôt fini les siennes. Et puis voilà, puis je reprendrai un peu pour les cochons. Je suis pas fan de prendre là-bas. Mais j'ai vu des pelés. Parce qu'il n'y a pas forcément que les mélanges en fait. Il y a aussi des pelés. Bon, c'est Vitacraft qui fait ça. Mais je crois que j'aurai pas le choix parce que je ne tiendrai pas jusqu'à une prochaine commande ou plus pour les cochons d'Inde. Le foin, je le prendrai au champ dans ma livraison. Puis voilà, donc je prendrai le foin dans ma livraison, puis je prendrai 2 kilos de foin dans ma livraison, puis après bah, je prendrai des pelées, des pelettes, des pelées, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, des granulés, pas de mélange au Leclerc, j'en ai vu un petit peu une boîte aujourd'hui. Je n'ai pas regardé le prix vraiment, mais bon, ça me dépannera toujours. C'est mieux que le mélange, même si je sais qu'il y a des céréales dedans, mais au moins je sais que c'est pas qu'un mélange à poule où il n'y a que du blé, quoi. Donc je préfère donner des pelées, même si je sais qu'il y a des céréales dedans, que donner des mélanges qui vont trier. Et en fait, en gros, c'est du maïs et du blé, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Donc voilà. Ça commence à me gratter, là. Je ne vous raconte pas. J'ai encore 10 minutes de pause. Donc ça me gratte bien la tête.
Un vrai bonheur. Donc voilà, écoutez, là je vous laisse, je laisse poser, je me douche et je reprendrai quand ça sera, quand je serai bien toute propre et les cheveux rincés. À toutes. Il est 23h12. Oui, bon, j'ai toujours une corne, hein, ça, vous êtes habitués. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh. Melba, tu peux arrêter de gratter, s'il te plaît. On peut pas savoir à quel point ça fait du bien de retrouver sa couleur. Un semblant de volume dû à la couleur. Les cheveux ont un peu plus de maintien. Melba, s'il te plaît. Hey, madame, elle est cachée dans le lit, là, elle est gratte. C'est à toi que je parle. Elle attendait que je prenne ma douche. Elle attendait devant la douche que je sorte pour venir faire essuyage automatique. Sauf que je ne veux pas que mes chiens me lèchent les jambes quand je sors de la douche. On va me dire, t'as qu'à fermer la porte. Si je ferme la porte, j'ai trois chiens qui hurlent à la mort devant. Et en plus, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de fenêtre. Donc ce qui fait qu'en gros, si je ferme la porte, ça fait sauna. Donc on sort, on a la vapeur qui va avec. J'ai pas envie de sortir de la douche et être dans une cocotte minute en fait. Ça a aucun intérêt. Donc je laisse la porte ouverte quand je suis seule. Quand il y a quelqu'un là, c'est différent. Je ferme bien sûr. Voilà. Mais quand je suis toute seule, la porte elle est ouverte. Voilà, ça aère, on s'en bat les... Hein. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc là, écoutez, 23h14, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire des fondants. Parce que j'ai eu une commande de Laetitia, donc sa troisième commande quand même. Donc je la remercie énormément. Bon, elle me la passe pas maintenant, mais elle m'a déjà demandé. Elle va me la payer dès qu'elle peut. Mais donc la commande est déjà prête et elle, je la prépare parce que je sais qu'elle les prend ses commandes. Hein. Je sais qu'elle n'est pas mytho. Donc voilà, sa commande est prête, mais il faut que je refasse des fondants. Je devais refaire pomme cannelle, caramel. Caramel beurre salé, je devais refaire pain d'épices. Et là aussi, il faut que je refasse bulle de savon et crème solaire, je crois. Et mimosa fleur de lotus. Ouh, j'en ai du travail. Ouh, yo, bah là, je vais être partie pour cette nuit et demain et ainsi de suite. Faut que je sorte tous les moules, hein, faut que je sorte tous les moules et que bah, la cire va y aller. Hein. Et le mois prochain, j'ai réussi à mettre en mensualité mon assurance habitation. Comme ça, je n'ai pas les 154 euros qui partent. J'ai juste à avoir 13 euros par mois. Voilà. Puisque j'ai quand même cannelle le mois prochain. J'ai 126 euros de cannelle normalement, si j'ai bien fait mes calculs. Plus mes courses, plus tout ça, tout ça, tout ça. Plus bah, terre de bougie si je veux recommander des nouvelles fragrances et de la cire. J'en ai pour 162 euros. Alors si je peux pas payer en plusieurs fois, bah, je dois sortir 162 euros. Donc ça pique. Voilà, ça pique. Puis voilà, donc comment dire? Encore j'ai fait. Normalement j'avais quasiment 200 euros en terre de bougie, mais j'ai viré certaines fragrances qui m'étaient un peu inutiles, genre Beauté des îles, si j'ai vanille et monoï, ça suffit déjà. Justement, monoï coco et monoï vanille, je les ai enlevés. J'ai déjà voilà quoi j'ai à la rigueur je peux les faire tout seul quoi j'ai monoï et j'ai coco et j'aurai vanille donc je peux les faire moi-même voilà après voilà j'ai repris une noix de coco justement et fruits de la passion parce qu'ils partent super vite ces parfums-là hein, Jeanne adore ces parfums-là donc voilà puis voilà donc là je vais aller faire mes fondants je vais mettre en fond, bah, Eragon, je vais attaquer le chapitre 8, le tome 2, bien sûr. Donc, l'aîné, je précise, c'est l'aîné de Eragon, tome 2. Voilà, je vais lancer les chapitres. Et puis, voilà, tout ce que j'ai à dire. Faut vraiment que je continue à terminer mes produits, mais là, le sac commence à être bien rempli. Je vais regarder ce qu'il y a, mais comme il y a beaucoup de bougies, ça prend de la place. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de choses? Je sais pas, est-ce que j'ai beaucoup de bougies? Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de produits ou si c'est juste les bougies qui prennent beaucoup de place. Donc je vais regarder ça. Et je vous ferai la vidéo produit terminé dès que je peux. Dès que je peux. Non, dès que j'ai assez de produits à mon goût. Là justement, je suis en train de terminer ben, gel douche. Donc je ne vais pas faire la vidéo maintenant alors que le gel douche, je vais bientôt. Excusez-moi. Le gel douche, je vais bientôt terminer. Donc voilà.
Bon allez, je me mets au travail. Je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 22 février, il est 15h55. Je vous prends maintenant parce que je me suis endormie à 8h du matin, encore une fois. J'ai essayé de dormir, pourtant à 4h j'ai essayé de dormir. Ma voisine du dessus était réveillée, donc elle a fait le branle-bas de combat dans l'immeuble. Je sais pas ce qu'elle fait à 4h du matin réveillée. À chaque fois que je me couche à pas d'heure, à 3h du matin, elle ouvre ses volets. 3h, 4h du matin, les volets, elle les ouvre. Alors, je vous raconte pas le bordel. Voilà, donc moi je suis en mode zombie, je suis en mode café. Bon, là je finis ma bouteille d'hier. Voilà, donc j'ai fait des fondants. Comme vous avez pu voir, un peu, j'ai bouquiné cette nuit. Un petit peu bouquiné, voilà, ça m'a fait du bien. J'ai écouté, pendant que je faisais les fondants, j'ai écouté donc Eragon. Je suis au chapitre 11. Alors en fait, je me suis plantée. Je pensais être au chapitre 8, mais en fait, non, j'étais au chapitre 6. C'est parce qu'en fait, le chapitrage audio est fait, en fait, alors qu'il y a eu le résumé du livre juste avant du précédent tome. Donc, il prenait deux chapitres environ. Donc, voilà, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Donc, là, je suis au chapitre 11. Voilà. Donc, écoutez tout ce que j'ai à dire. Par contre, donc là, je vais finir mon café, me poser. Et après, je démoulerai les fondants que j'ai fait cette nuit. Je laverai les moules. Je suis désolée. Les deux là, les deux gugus. Alors Melba est enfermée dans sa cage, elle n'est pas punie, c'est juste qu'ils ont mangé leur friandise, donc je vais la sortir là dans pas longtemps. Donc voilà, donc moi là je suis en mode radar zombie défoncé, hein. J'ai des poches comme ça, hein. Ça se voit sur ma tronche. Ah, je suis carpoute morte, non, carpette morte. Voilà, excusez-moi, voilà, hop. Ma fine et... En fait, je mets un peu Melba à l'écart, comme ça ma fine et Cannelle se retrouvent. Voilà, ils jouent tous les deux. Voilà. Ça leur fait pas de mal. Ma Cannelle, tu joues avec ma fine. Donc voilà. Écoutez. Oui, cette nuit, j'ai aussi parlé avec mon pote, celui avec qui je parle pas la nuit en général. On a un peu papoté, puis il s'est endormi comme une zouche. Il a bien eu de la chance, lui, à 5h du matin, il s'est endormi. Non, 5h, non, à 4h. 5h du matin, il s'est endormi, il a bien eu de la chance. Et moi, j'ai dû m'endormir vers 7h30, 8h. Je me suis réveillée là à 15h, 15h. Donc, voilà, donc là, je bois mon café, je vais démouler les fondants que j'ai fait cette nuit, laver les moules, et je relancerai quelques fondants parce que là, cette nuit, j'ai fait pain d'épices, confiture de lait. Et caramel. Il faut que je fasse pomme cannelle. Il faut que je fasse pomme cannelle. Après, c'est la seule senteur que j'ai. Puis après, il faut que je fasse lavis en rose et bulle de savon. Voilà, ça c'est vraiment les senteurs que je devais faire. Mais par contre, ouais, bah, pomme cannelle, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, voilà. Donc on va se débrouiller comme on peut. Donc voilà, le site est à jour. Merci Jeanne de m'avoir aidé. Le site est à jour. Voilà, j'ai bien bossé cette nuit dessus pour compléter le site. L'adresse du site est en barre d'infos. Donc j'ai bien bossé. Voilà, j'ai bien enregistré les poids des fondants, les tarifs des expéditions. J'ai bien tout. J'ai bien tout enregistré, voilà. J'ai fait des photos des fondants avec les senteurs. Et normalement, le mois prochain, je pourrais prendre de nouvelles fragrances avec de la cire. Excusez-moi. Je pourrais prendre de nouvelles fragrances avec de la cire. Par contre, je ne vais pas faire le fondant Madeleine citron meringué. J'ai essayé de le faire. En fait, j'ai mis un peu de cire dans un brûleur, voilà, pour faire des tests. J'ai mis un 4 heures. J'ai mis un peu de. Tais-toi, l'horloge.
Voilà, c'est bon. J'ai mis un peu de fragrance madeleine et un peu citron meringué, mais j'arrive pas à doser. Donc, limite, je ferai avec le zeste d'agrumes pour faire madeleine citron. Je verrai. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Là, je brûle lumière scintillante de Yankee Candle. Attendez, il y a Muffin qui appuie sur mon bras. J'arrive pas à vous prendre. Donc voilà, je me pose avec mon café et je vous dis à toutes. Ah, il est 18h39. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que ma commande Nox arrivait demain. Donc demain, vous aurez un petit haul Nox. Attendez, vous n'êtes pas droit. Demain, vous aurez un petit haul Nox. Voilà. J'ai commandé 5 parfums, 5 ou 6 parfums, je crois. Voilà. Je me suis servi du code Mon Ange. Ça m'a donné 15%. Plus intéressant que leur code. Que leur code. En fait, eux, pour un montant d'achat, on avait 10 euros offerts. Mais en fait, le code Mon Ange m'a donné plus de réduction. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je crois que c'est 15%, je crois, le code de la chaîne de Mon Ange. Voilà, je suis en mode zombie, hein, ça se voit à ma tête. Hein. J'ai fait la cage des cochons d'Inde, j'ai fait mon ménage, j'ai démoulé les fondants, j'ai lavé les moules. Les moules sont en train de sécher. Puis voilà, par contre, Cannelle est en train de faire ses chaleurs, mais Muffin essaye de la grimper, c'est un vrai bonheur. Parce que lui, la grimpe, elle se laisse faire, puis après, elle lui gueule dessus. Donc au final, bah, lui, il est frustré, c'est la baston. C'est la galère, donc Cannelle donc en train de faire ses chaleurs. Donc quand elle aura ses chaleurs, ça va être le bordel. Parce que Muffin va la grimper tout le temps. Alors je précise, Muffin est castré. Donc il peut la grimper, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est pas parce qu'il est castré qu'il n'a pas d'envie. Voilà. Ça casse, ça coupe la fertilité, mais ça coupe pas les envies hein, chez les mâles. Par contre, en fait, c'est si la femelle est stérilisée qu'elle, elle ne développe plus d'hormones de chaleur. Et comme Cannelle n'est pas stérilisée, Melba non plus, donc Muffin il va s'en donner à cœur joie, il en aura deux là. Melba devrait pas tarder à faire les siennes, elle a 7 mois. Elle pourrait commencer à les faire le mois prochain, ou un an, ça dépend, pour l'instant elle ne fait rien. Oui, je vous parle des chaleurs des chiens, non mais. Je pète un câble, je suis fatiguée, ouais, j'en peux plus. Donc là, je regarde une vidéo de Marion Caméléon, puis voilà. Par contre, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Ça me déprime. Hier, j'ai mangé une salade de choux blanc. Parce que vous savez, quand j'ai fait mon curry, il me restait un chou. Donc j'ai fait une salade. Est-ce que je m'en refais une ce soir? Je sais pas. Il faudra que je voie. Est-ce que je m'en refais une ce soir ou est-ce que je mange un truc un peu plus consistant? Genre, je décongèle un peu de purée que j'ai fait pour ma super copine. Donc écoutez, je vais voir et je vous reprendrai plus tard et voilà. À toutes. Il est 23h39. Je vous reprends maintenant parce qu'en fait, je viens de finir des fondants. Donc j'ai fait pomme cannelle, bulle de savon, la vie en rose et mimosa et fleur de lotus. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai refait le stock de ce qui me restait vraiment en moins de 5 fondants, on va dire. Par contre, Jeanne m'a dit que les fondants abricots ne sentaient rien du tout. Donc, je vais les faire refondre et je remettrai plus de fragrance. C'est bien d'avoir un avis constructif, pas forcément positif ou négatif, mais constructif. C'est bien d'avoir des avis. D'ailleurs, Amandine, si tu as des avis sur certains fondants, comme tu es passé sur la dernière vidéo, d'ailleurs, merci de... d'avoir dit ok pour la vidéo alors que je t'ai pas demandé ton avis. Je suis désolée, je t'ai pas demandé ton accord, mais bon ça va, tu l'as pas mal pris. Sinon de toute façon c'est pas grave, j'aurais refait le vlog et j'aurais coupé cette partie. Donc oh putain, j'ai les yeux, ouh ça brille. La fatigue là elle est pas gentille. Mais en même temps je me suis couchée à 8 h du matin mais réveillée à 15 h. Donc, comment dire que je ne suis pas fatiguée. J'ai fait des fondants, j'ai bouffé des radis. Oui, je vous avais dit que j'avais acheté des radis pour les cochons d'Inde. Au final, j'ai bouffé le paquet. Depuis l'opération, je pourrais bouffer que ça, c'est horrible. Mais d'un côté, c'est mieux d'avoir envie de radis après une opération de l'estomac que plutôt d'avoir envie d'un Big Mac.
Big Mac que j'aime pas. J'en ai trop mangé étant jeune. Et moi, au McDo, je préfère tout ce qui est nuggets ou poulet pané, genre le CBO, le Big Tasty Chicken, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est bon, ça. Mais après, voilà, c'est bon. Pff, je vous ai parlé de radis, j'ai dévié sur le McDo. Non, mais ça va. Ça, faut que j'arrête de penser bouffe. Faut que j'arrête de penser à la bouffe. En plus, j'ai mal au ventre. J'ai mangé 4 radis, j'ai déjà mal au ventre. C'est très, très compliqué. Donc là, les fondants sont en train de prendre. Je viens de fermer les fenêtres parce que j'avais ouvert les fenêtres. Parce que bulle de savon, ça a embaumé le savon dans mon appartement. Et j'ai vite ouvert les fenêtres avant d'avoir très bobo le crâne. Oui, très bobo le crâne, c'est très français aussi. Excusez-moi, interrompu par Muffin qui se met à aboyer à 11 h du soir, à presque minuit. Mais Muffin, ça suffit! Je sais pas ce qu'il a. Et tout à l'heure, quand j'ai ouvert les fenêtres, il y a un chien qui passait qui s'est mis à aboyer justement. Et bah les chiens sont déchaînés. Je fais quoi avec ma fille là qui s'énerve partout qu'il n'y a pas de bruit. Voilà, il n'y a pas de bruit, je sais pas pourquoi il aboie. Écoutez, je sais plus quoi faire. Je sais vraiment plus quoi faire. Faut que je me couche. Mais j'ai la flemme. Vous imaginez, j'ai la flemme d'aller dormir. Ça devient grave. Donc demain, je reçois mes parfums Knox. Donc j'en ai commandé 6. Il y en a 5 pour moi et 1 pour un cadeau. Encore un. Puis voilà. Puis bah écoutez, je sais plus trop quoi dire pour l'instant. Donc je vous laisse et je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 23 février. Il est 5 h, 17 h plutôt. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'ai bien reçu mon colis Knox. Par contre, ils se sont plantés sur une étiquette. En fait, c'est que ils m'ont renvoyé donc un roll-on. Et en fait, ils m'ont envoyé le roll-on avec une étiquette d'un parfum que j'ai commandé. Je sais pas, je vais le sentir. Ça me mettra sur le parfum. En fait, c'est le Black XS. Donc ils se sont trompés. C'est le Black Opium. C'est le Black Opium de Saint Laurent. Donc ils changent l'étiquette. Voilà. Donc ils m'ont renvoyé un roll-on. Voilà. Et sinon, j'ai donc 5 parfums, le sixième qui est un cadeau est déjà empaqueté. Donc, je vais pas vous l'ouvrir, j'ai repris le 428 qui est le Dolce Gabbana The One Rose. Celui-là, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de le sentir. Mais je crois qu'il est un peu rose de couleur. D'après. Regardez. Attends, oh non, on ne verra pas bien. Ouais, non. On voit pas bien. Donc, celui-là, je le connais. Voilà. Comme je ne suis pas parfumée encore, je verrai lequel je mettrai. Donc c'est le 428, le Dolce Gabbana The One Rose. Ensuite, j'ai pris le Very Irresistible de Givenchy qui est le 050. Donc, hop, 050, le Very Irresistible. On va le sentir. Est-ce qu'il sent exactement pareil? Parce que ça, c'est une odeur que je connais. Oh, ils sont super bons. En tout cas, ils sentent bon. Donc, je suis désolée, les chiens sont énervés. Ils sentent bon. Alors, on va finir par le mix. Ensuite, j'ai pris le Si de Armani qui est le 433. Donc le Si de Armani. C'est bizarre. Il a une odeur de fruits. Je ne le connais pas cette odeur. Hein. En tout cas, ils sont très bons. Mais j'ai l'impression qu'ils sentent un peu la pêche ou l'abricot. J'ai pas regardé les notes des parfums. Celui-là, ils sont très bons. Il est en tête pour être parfumé. Ensuite, j'ai pris donc le Narcisco poudré de Narcisco Rodriguez qui est le 2403. Donc c'est ce numéro qui est arrivé sur le roll-on. J'ai quand même voulu sentir le roll-on, voir. Et parce qu'en fait, ça m'aurait évité de voir le parfum. Mais non, c'était pas ça. Donc Narcisco poudré, Narcisco Rodriguez, qui est le 2403.
Alors ça sent super bon, hein. Mais il sent. Bon, je pense que le Armani arrive en tête. Hein. Il sent super bon. Il sent bon, mais il sent une odeur. Je sais pas. Il sent très bon, hein. Et après, donc, à cause de la chaîne de Marie. De la chaîne Mon Ange, de la chaîne de Marie, de la chaîne Mon Ange, j'ai quand même commandé le fameux bois d'argent de Dior, qui est le 241. Le fameux bois d'argent, donc lui qui est mixte. Est-ce que le bois d'argent vaut vraiment son envouement autour? Parce que Marie l'adore, on est d'accord. Mais après, c'est un culte de Dior. Donc c'est un classique chez Dior. Mais bon, après. Ah oui. Bon, il est plus masculin que je le pense. Ah oui. Là, franchement, je suis d'accord de. Je ne sais même pas le prix du vrai bois d'argent de Dior. Il sent hyper bon. Alors, il est un peu plus masculin que féminin pour un mix. Donc, hop, je le range dans sa boîte. Donc, je vais mettre le Armani, hein, pour ceux qui sont pas compris. Hop là, on met le Armani. Je ne suis pas parfumée, je viens de changer. Ouf, j'ai mis la dose. Mais c'est bizarre, il sent le fruit. Je trouve ça très bizarre. Il sent un peu le. La nectarine ou l'abricot. Ouais, c'est très bizarre. En tout cas, je vais pas me plaindre, j'adore ces parfums. Donc le cadeau est empaqueté. Je ne vous dis pas c'est lequel. Ça sera le cadeau pour quelqu'un. De toute façon, elle le sait. C'est très bien. C'est pour qui? C'est pour Audrey. C'est sa surprise pour son anniversaire. Donc voilà. Donc écoutez, je prends mon café enfin. Puis je vous dis à toutes. Je viens de changer mes draps. Et la parure élue de la semaine, c'est la parure Poufsouffle, la parure Harry Potter. Cannelle est assortie à la couleur de la parure. Cannelle? Non, Melba, tu arrêtes, s'il te plaît. Ma cannelle. Non, t'as les yeux dans un état, faut vraiment que tu les laves. Donc voilà, donc là, les draps sont en train de laver. Voilà. Moi, je suis posée avec mon café. De toute façon, j'ai tourné le hall Knox. Là, il est presque 6 heures, hein, 18 heures. Donc, ça fait 1 heure que j'ai tourné le vlog, le hall. Voilà. Donc, j'ai changé les draps. Voilà. Donc, bah, écoutez. Oui, moi, Canel. Non, Canel, je ne fais pas de photos. Canel. C'est pas parce qu'il y a le téléphone que je fais des photos, mon chien. Hein. Voilà. Là, voilà, tu mets un téléphone avec un chien qui est habitué à poser et ça donne ça. Donc voilà, parure de la semaine. Et puis après, bah, j'attends que ma machine se termine et puis je vais changer mes draps. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Il est 21h11, je vous reprends. Parce que bah, de toute façon, quand je vous ai pris pour changer la couette, quoi, pour la couette de la semaine. Bah, j'ai étendu mon linge après, j'ai pris une douche, j'ai un peu parlé avec des potes. Là, je viens de raccrocher le téléphone avec Jeanne. J'ai encore une vidéo, deux vidéos à regarder. J'ai la vidéo d'Elodie Moitou, son haul Vinted et tout ça. Et après, j'ai un vlog de Ella Rayon de Soleil. Parce qu'elle a lancé son entreprise, donc je voulais un peu plus voir comment elle avait fait. Et je me suis pesée, je pèse 62 kilos. Voilà, j'ai atteint le seuil des 62 kilos. Je l'avais déjà atteint, mais j'avais regrossi. Donc voilà, j'y suis retournée. Donc en gros, j'ai perdu 46,5 kilos.
Je suis contente de moi. Vous pouvez pas savoir à quel point l'opération n'est pas faite en vain. C'était le principe de perdre du poids et de ne pas en reprendre, sachant que bah, là, cette année, c'est les 3 ans post-op. Je ne sais toujours pas si j'ai rendez-vous à l'hôpital fin de l'année. Il faudrait que je regarde sur mon Doctolib parce que voir si le rendez-vous était fixé à la fin de l'année ou pas, c'est quand même. Bon. Et puis voilà, donc Cannelle commence ses chaleurs. Voilà, Cannelle commence ses chaleurs. Muffin commence à la grimper, sauf qu'elle se laisse faire au début, puis après elle s'assoit. Voilà, donc Muffin il est frustré. Voilà, petit couillon il est frustré de ne pas pouvoir faire de papouille. Donc voilà, puis voilà, donc là j'ai une crevette qui est collée là, un petit couillon qui est caché derrière les oreillers, et Canel qui est derrière le PC. Je suis au bout de ma vie, je suis fracassée morte. Je pense, je vais essayer de me coucher tôt, je dis ça à chaque fois, vous savez que je m'endors pas avant 5 h du matin. Mais il faut vraiment que j'y arrive. Il faut vraiment que j'arrive à me coucher tôt, que je dise minuit au maximum, je suis couchée. Faut vraiment que j'y arrive. Vraiment que je me dise minuit, je suis couchée. C'est tout simplement pas possible de vivre comme ça à l'envers. C'est vraiment pas possible. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Mais après, demain, nous sommes vendredi. Et je risque d'avoir une discussion à 3 h du matin avec mon pote avec qui je parle toutes les nuits. Pas toutes les nuits, mais que je parle la nuit. En général, on se capte entre 1 h du matin et 5 h du matin. Donc voilà, donc est-ce que je parlerai avec lui donc si je tiens, si je, à minuit je me couche, donc demain je serai levée un peu plus tôt que d'habitude peut-être. Sauf si je reste au lit jusqu'à 15 h 30, j'ai pas envie de bouger. Je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire. Je ne sais point, voilà. Mes moules de fondant que j'ai fait cette nuit sont en train de sécher parce que bah, je les ai lavés. Il faut que je refasse les fondants abricots. Mais pour l'instant, j'ai pas la foi là. Il faut que j'arrête un peu les fondants. Enfin, pas que j'arrête les fondants, hein. J'ai encore du stock d'abricots, mais comme ils sentent plus, ils sentent pas, faut que je les fasse refondre. Donc il faut vraiment que je le refasse. À part que je le fasse ce soir, j'ai pas le choix. Pour qu'ils soient comptabilisés dans mes stocks. Voilà. Donc, comme ça, je pourrais remettre de la fragrance, un peu de colorant, parce qu'ils étaient un peu ternes, un peu pâles. Excusez-moi, j'ai loqué. Ils étaient un petit peu pâlots. En même temps, c'était pas la bonne cire que j'avais prise. Je vous avais dit le prix était moins cher en copeaux, mais en fait en copeaux, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'était pour les bougies coulées, donc en pot, hein, une bougie quoi, avec des mèches, et pas une bougie moulée, pas de la cire à bougie moulée. Donc la bougie moulée, c'est les fondants, voilà. C'est les fondants, et là je vois bien que depuis que j'utilise la vraie cire, bah, je vois que c'est pas pareil. Que les couleurs tiennent parce qu'en fait au début je comprenais pas pourquoi les couleurs elles tenaient pas, mais en fait normal c'était pas la bonne cire, c'était pas la bonne cire, donc c'est pour ça que les colorants ne tenaient pas. Et puis après je me suis rendu compte que les colorants, plus on les fait chauffer, plus c'est intense, donc j'ai pas dû les faire chauffer assez quand j'ai fait avec les bougies avec la cire en copeaux, parce que je me dis quand on voit des bougies en bah, des vraies bougies, il y a quand même des colorants, donc j'ai mal au bras. Il y a quand même des colorants, donc en fait c'est juste moi qui ai foiré. Voilà. J'ai la lèvre qui lâche là. Allez, c'est fait. J'ai la lèvre qui lâche. J'ai beau mettre du labello, quoi, du stick lèvre, parce que ce n'est pas du labello. Si j'ai un labello, mais j'ai beau mettre ce labello-là, mais c'est le clair. Mais c'est nourrissant. Donc il me faudra un truc pour les réparations. Donc des fois, je mets ça.
L'état en fait est dégueulasse que Melba l'a mangé. C'est une crème main concentrée pour les mains très sèches et abîmées. Alors oui, je mets ça sur ma bouche tant que tu le manges pas. Attends. Tant que tu le manges pas, c'est pas très grave. Hein. Oula, attendez. Tant qu'on le mange pas, bah ça va. Voilà. Donc là, je finis mes vidéos et je vous reprendrai plus tard sûrement pour clôturer. Je vous dis à toutes. Excusez-moi. Nous sommes le 24 février, il est 1h35 du matin. Moi qui vous avais dit hier que je me couchais tôt, loupé. Pourtant, je n'ai plus de café. J'en ai parfait une bouteille. Donc, je n'ai pas de café depuis presque hier 23h. Je me suis fait un thé pour histoire de boire un peu. J'ai mal pour m'hydrater. Puis voilà, donc le thé il est fini. C'était un thé au caramel, voilà, je m'étais fait un thé au caramel. C'était un thé noir, certes, c'est censé réveiller, mais pourtant, je laisse tellement peu infuser le thé que de toute façon ça avait le goût de flotte chaude, voilà. Limite, quand on était petit, qu'on buvait l'eau du bain, ça revenait au même. Quoi, je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Étant petite, l'eau du bain, on en a tous bu, hein. Voilà, donc là je voulais clôturer le vlog, j'ai fait le montage. Donc voilà, donc là je vais clôturer le vlog. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!